Salut à toi l'ami des animaux, moi c'est David de Animal et vous. Aujourd'hui on va parler de la communication canine basée sur les signes d'apaisement. Les signes d'apaisement, j'en parle régulièrement dans mes petites vidéos ou dans mes formations si tu me suis depuis un certain temps. C'est normalement un terme qui ne t'est pas inconnu. Le chien, je te rappelle, a une communication qui est avant tout non verbale, qui est une communication corporelle. Évidemment que le chien peut aboyer, évidemment que le chien peut gémir, grogner, etc. C'est toute une petite, c'est juste une toute petite partie de sa communication. Sa communication est avant corporelle. Et les signes d'apaisement, ça rentre dans le cadre de sa communication corporelle. Alors tout d'abord, les signes d'apaisement, c'est quoi et ça sert à quoi? Quand un chien va lancer un signe d'apaisement, ça peut être pour trois choses. Par exemple, ça peut être pour, comme son nom l'indique, apaiser l'interlocuteur. L'interlocuteur, ça peut être de n'importe quelle espèce. Ça peut être un autre chien. Ça peut également être toi, être humain, et ça peut être un chat, un autre animal. Parce que évidemment, ton chien, lui, il va parler avec le langage qu'il connaît, donc la communication canine. Donc, du coup, signe d'apaisement. Donc, ton chien, il peut essayer d'apaiser l'interlocuteur ou la personne qui est en face quand il se sent éventuellement en danger ou quand il se méfie un petit peu de ce qui peut se passer pour lui. Ça peut être aussi pour s'auto-apaiser, donc pour s'apaiser lui-même. Par exemple, il est dans une situation qui le stresse, il entend un bruit sourd, soudain, il va souvent lancer un signe d'apaisement pour s'auto-apaiser. Et puis, il y a certains signes d'apaisement qui peuvent aussi lui permettre de dégager une certaine frustration. Il peut être frustré parce que par exemple, tu dis qu'on va aller promener et puis tu mets 3 ans pour mettre ta veste et tes chaussures. Ton chien va souvent lancer des signes d'apaisement pour dégager sa frustration. Alors, les signes d'apaisement, tu peux les reconnaître facilement. Il y en a plein, des signes d'apaisement. Je peux te donner ceux qu'on repère le plus. Un signe d'apaisement classique, c'est quand le chien va détourner le regard, voir la tête, voir le corps complètement. Si ton chien fait ça en face de toi, qu'il détourne le regard à la tête ou le corps quand tu lui parles, c'est qu'il te dit « me fais pas de mal » ou « fous-moi la paix ». Il n'a pas envie de rentrer en contact avec toi, donc il se détourne hop, pour faire comme si tu n'existais pas. Tu l'auras compris, ton chien t'ignore. Exactement comme toi, tu peux le faire. Quand ton chien te saute dessus, tu peux l'ignorer par exemple, et ben c'est exactement pareil. Ton chien t'ignore, il ne te regarde pas, il te tourne à moitié de dos, ou en tout cas il ne te regarde pas, il tourne la tête, et puis évidemment il ne rentre pas en interaction avec toi. Ça peut être aussi le fait de sortir la langue. Quand ton chien se lèche la truffe, c'est un signe d'apaisement. Le fait de bâiller à plusieurs reprises, c'est un signe d'apaisement. Alors attention, le bâillement, ça peut être aussi quand ton chien est fatigué, un peu comme nous, êtres humains, quand il a envie de dormir. Mais le bâillement, notamment quand il est répété, c'est un signe d'apaisement chez le chien. Donc il va soit apaiser, soit s'auto-apaiser, soit pourquoi pas dégager une certaine frustration. Tu regarderas ton chien, tu lui proposeras d'aller le promener. Alors, s'il est tout foufou, tout content, tu attendras un petit peu, puis tu le provoqueras un petit peu. Tu vas voir qu'il va tenter des signes d'apaisement, il va bâiller à plusieurs reprises. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de chiens qui vont se secouer. Comme quand ils sont mouillés, ils se secouent. Et bien là, ton chien, pour dégager le trop plein d'énergie et la frustration qu'il a en lui parce que tu vas pas assez vite et tu le provoques un petit peu, il va se secouer. Alors évidemment, ça reste de manière positive, il est content, mais c'est un signe d'apaisement. C'est voilà, on y va ou pas, j'ai envie d'y aller, qu'est-ce que tu fous? C'est un peu le message que ton chien te renvoie. Autre signe d'apaisement, ça peut être quand ton chien, ton chien par exemple, et face à quelque chose qui lui fait peur, ton chien va tenter par tous les moyens d'apaiser les gens qui lui font face ou l'élément qui lui fait peur. Ça peut être aussi se coucher. Se coucher, mais sur les quatre appuis. Là, il va lancer un signe d'apaisement. Moi, ma taïga, quand on croise un chien, quand on voit un chien au loin qu'elle ne connaît pas, souvent et très souvent, elle va se mettre hop, sur ses quatre appuis, en mode sphinx. Elle va se coucher en mode sphinx. Et en fait, elle va être en mode sphinx, et puis elle va fixer les oreilles dressées vers l'autre chien. Et en fait, du coup, elle lui dit, dans son langage canin, je te veux pas de mal, mais je me méfie de toi, je te regarde. Et elle va observer son comportement. Est-ce que le chien en face lance lui également des signes d'apaisement? Et là, tu baignes. Est-ce que le chien en face va lancer des signes d'alerte ou d'agressivité? Ou là, forcément, ta gueule va se méfier. Ils se parlent tout le temps, les chiens. Ils te parlent tout le temps et ils communiquent tout le temps entre eux. Ça, c'est un signe d'apaisement très courant chez les chiens, pour une approche canine qui normalement devrait bien se passer si les deux lancent des signes d'apaisement. Donc tu vois, les signes d'apaisement, ça sert dans toute la vie du chien. Il y en a plein. Là, je te parle des signes généraux et puis ceux qui me mettent en tête, mais il y en a
plein, il y en a énormément. Pour cela, hein, si tu veux un petit peu développer tout ça, tu peux aller dans le descriptif de cette vidéo-là où tu trouveras plein d'informations qui t'amènent à découvrir plein de sites d'apaisement et plein d'autres choses. Et puis, tu peux également rester abonné, rester branché sur ma chaîne YouTube pour avoir plein de petites vidéos conseils comme ça et pour développer ta connaissance sur ton chien. Voilà, à bientôt, salut !